Bonjour et bienvenue sur votre chaîne Provision, sur votre émission Et si on en parlait, où nous répondons à toutes les questions que vous vous posez. Aujourd'hui, nous parlerons de dépression, car c'est une maladie courante qui affecte plus de 350 millions de personnes en France, dont les femmes et les adolescents sont les plus touchés. Une fatigue inexpliquée, une profonde tristesse, une dévalorisation de soi sont une liste non exhaustive des symptômes que peuvent ressentir ces personnes qui souffrent de dépression. L'Organisation mondiale de la santé affirme que d'ici les années 2020, ce serait le mal le plus répandu dans les pays développés. Alors aujourd'hui, suivez-moi, je vous emmène à l'extérieur rencontrer les Parisiens afin de savoir ce qu'ils en pensent. À tout de suite. Et nous sommes avec Yoël, que nous avons intercepté en allant prendre son métro. Donc, je vais dire bonjour Yoël. Bonjour à vous. Alors, je vais vous poser une question au sujet de la dépression, qui est de savoir comment la définiriez-vous ? Ben, la dépression, je pense pas qu'il y a réellement une définition à la dépression. Je crois que la dépression, ça dépend des individus. Et ça dépend aussi le cas qui nous permet aussi des fois de basculer. Et en croyant forcément c'est une dépression, mais c'est pas tout à fait une dépression. Des fois, ce sont des moments de fatigue, des moments qu'on ne comprend pas certaines choses et on laisse un peu rouler, on se laisse aller. Voilà. D'accord. Et quelles peuvent être les causes qui entraîneraient cet état de fatigue ou de tristesse ? Ça peut être, comme je vous disais, ça peut être énormément de facteurs. Ça peut être le travail, ça peut être, le manque d'affection, ça peut être, une personne qui nous a quittés, où on n'arrive pas forcément à trouver des solutions. Alors, comme je vous disais tout à l'heure, on se retrouve dans un cycle infernal et on n'arrive pas forcément à trouver la solution et on rentre dans une forme de, comme une dépression, quoi, ce qu'on appelle la dépression de dire, les choses ne vont plus, ben je laisse rouler et on verra bien par la suite. Et après, ça peut nous rendre aussi bien malades d'une façon ou d'une autre, nous créer autre chose à part de ce qu'on appelle la dépression, parce que la dépression, c'est vraiment un sujet qui est vague, hein. c'est pas simplement, je fais une dépression, ça va se passer demain ou après, ça peut durer des années, quoi. D'accord, merci beaucoup pour cette réponse complète et je vous souhaite une bonne fin d'après-midi. Nous sommes avec Olivier que nous avons intercepté à l'entrée du métro. Bonsoir Olivier. Quelle interception. C'est notre joie. Alors j'ai une question à vous poser. Que pensez-vous des antidépresseurs ? Alors comme je vous le disais très instinctivement, préférer un bon repas, sortir au soleil, voir des gens. Faire des activités physiques, l'amour, regarder ces belles fleurs du printemps, que de bouffer ce genre de produits qui ne servent pas à l'homme, je pense, à part pour des cas vraiment très compliqués, liés à des maladies ou des événements très très difficiles de la vie où les gens ont besoin de retomber un peu. Mais sinon, il faut vraiment éviter, je pense, de consommer ça. Ouais. Et on en mange beaucoup trop en France. Je suis dans la prévention santé, donc je suis bien placé pour connaître le sujet. Ouais. Merci beaucoup, Olivier. Nous sommes de retour sur notre plateau. Je ne suis pas seule. J'ai avec moi le pasteur Gélil Dorégo. Bonsoir, pasteur. Bonsoir, Karen. C'est une joie de vous recevoir aujourd'hui. Le plaisir est partagé. Très heureux de vous retrouver, vous, et ainsi que nos téléspectateurs, pour cette nouvelle émission. Nous nous réjouissons d'avance parce que nous savons que lorsque vous êtes là, il y a des pépites qui sont relâchées. Alors, nous attendons avec impatience ce que vous avez à nous dire. On va essayer avec la grâce de Dieu, en tout cas. Est-ce que dans votre entourage, vous avez déjà connu quelqu'un qui souffrirait de dépression ? Peut-être vous-même, avez-vous déjà souffert de dépression ? Alors, j'ai rencontré des personnes qui faisaient face à des moments extrêmement difficiles dans leur vie, liés à des événements assez compliqués, et donc qui étaient en proie à une tristesse très, très importante. La dépression est assez difficile à diagnostiquer parce que, justement, les symptômes qu'elle apporte ne peuvent pas nécessairement être identifiés tout de suite comme étant liés à la dépression. Si quelqu'un est triste de façon passagère, on ne peut pas immédiatement dire de cette personne qu'elle est dans une phase dépressive. Mais dans le cadre de mes fonctions pastorales, je rencontre parfois des gens effectivement qui
sont dans une profonde tristesse de façon extrêmement prolongée et qui vivent les symptômes que vous venez de décrire. Alors pensez-vous, qu'est-ce qui peut causer la dépression chez un individu? Il y a des éléments génétiques, il y a des explications génétiques à cela. Pas seulement, on parle également de dépression existentielle. La dépression existentielle, c'est lorsque les gens n'arrivent pas à répondre à des questions importantes de la vie, qui donnent un sens à la vie, savoir qui sommes-nous, pourquoi sommes-nous sur Terre, où allons-nous, quelle direction nous devons suivre. Ce sont des questions importantes que chaque être humain doit se poser à un certain moment, et quand vous n'y arrivez pas, enfin quand vous n'arrivez pas à y apporter des réponses, elles vous plongent dans une forme de confusion qui peut créer de la dépression. Il y a des gens qui se lèvent tous les matins pour aller travailler. C'est difficile d'imaginer qu'ils le feront avec autant de motivation que cela s'ils ne savent pas finalement pourquoi ils vont travailler, pourquoi tous les matins ils doivent se lever. On doit donner du sens à ce qu'on expérimente et ne pas pouvoir donner le sens à ce qu'on vit peut être à l'origine de la dépression. Dans ce cadre-là, on parle de dépression existentielle. Il y a une autre explication à la dépression, c'est plutôt ce qu'on appelle la dépression circonstancielle ou événementielle. Lorsqu'on fait face notamment à la perte d'un être cher, on peut se retrouver dans une phase de profonde tristesse qui est normale. La Bible n'occulte pas cela, elle dit d'ailleurs que nous devons pleurer avec ceux qui pleurent. Et des événements difficiles de la vie peuvent causer la dépression, les circonstances de précarité, ne pas savoir comment on va payer son loyer, ne pas savoir comment on va nourrir ses enfants le lendemain, sont également des choses qui peuvent emmener quelqu'un à sombrer dans la dépression. Alors, un chrétien peut-il avoir ces inquiétudes que vous venez de citer? Peut-il alors tomber dans la dépression et être frappé d'une profonde tristesse? Oui, absolument. Je tiens à le dire avec clarté dès le départ, parce que on a un problème au niveau de l'Église, dans le sens où lorsqu'un chrétien est frappé de dépression ou souffre de dépression, il doit non seulement faire face à la difficulté qu'il y a de vivre cet état émotionnel difficile, mais également au jugement que des personnes qui sont dans l'ignorance peuvent émettre à son sujet. On entendra des commentaires assez inappropriés comme « Comment tu es chrétien et tu es aussi triste que cela ? Comment tu es chrétien et tu es aussi malheureux ?» Et donc ça a pour objectif, ou du moins pour résultat, de culpabiliser une personne qui souffre déjà. Pour aider toutes les personnes qui non seulement passent par cette phase difficile, mais aussi leurs éventuels interlocuteurs, il faut pouvoir expliquer au départ que la dépression, c'est une forme de maladie. On ne culpabilise pas quelqu'un qui souffre de grippe, on ne culpabilise pas quelqu'un qui est fiévreux, ce n'est pas de sa faute, et de la même manière, on ne devrait pas culpabiliser quelqu'un qui souffre de dépression. Donc oui, un chrétien peut souffrir de dépression. On a des exemples bibliques. C'est intéressant de montrer que le mot dépression n'existe pas en tant que tel dans la Bible, mais la description ou les symptômes que la dépression entraîne, on peut les retrouver dans l'existence de beaucoup de personnages bibliques qui sont parfois même des héros de la foi. J'ai à l'exemple Moïse, qui est un prophète de l'Éternel à n'en point douter, puissant en parole et en acte, et qui en Nombre, chapitre 11, je crois aux alentours du verset 15, va faire cette déclaration à Dieu lorsqu'il prend conscience de la charge importante d'un peuple qui n'a de cesse de murmurer dès qu'il y a une difficulté. Moïse va dire à Dieu, c'est assez, tue-moi, afin que je ne voie pas mon malheur. Qu'est-ce qui peut conduire un homme de Dieu à demander la mort, si ce n'est une tristesse telle qu'elle le pousse presque au suicide, et ça ressemble beaucoup à la description que l'on fait de la dépression. Il y a deux types de tristesse dans la Bible. La première tristesse, c'est une tristesse positive. Vous allez me demander, qu'est-ce qu'il y a de positif dans la tristesse? Mais l'apôtre Paul en parle lorsqu'il finit d'envoyer ses épîtres à un certain nombre des églises qu'il a fondées. Il dit, il y a une tristesse qui emmène à la repentance. Et c'est une bonne tristesse. Lorsqu'on fait du mal à quelqu'un, lorsqu'on pose de mauvaises actions dans la vie, on peut s'attrister et normalement on devrait ne pas se sentir inadéquat lorsqu'on se sent attristé dans ces conditions-là, parce que c'est le Saint-Esprit simplement qui parle à notre cœur pour qu'on puisse demander pardon, pour qu'on puisse essayer de faire réparation de ce qu'on a causé. Il y a beaucoup de personnes qui sont totalement insensibilisées à la douleur qu'elles peuvent causer aux autres, et c'est pour le plus grand malheur de la vie en société. En revanche, il y a un autre type de tristesse qui s'apparente davantage au sujet que nous abordons, que Judas a expérimenté. C'est intéressant de noter que lorsque
Jésus va commencer à vivre ce qu'on appelle la passion, c'est-à-dire à partir de la trahison jusqu'à la crucifixion, on va avoir deux types de réactions, notamment entre Judas, qui va être le lien de la trahison, l'outil de la trahison, et Pierre. Judas trahit Jésus, il va profondément regretter cet acte, il va être pris d'une très grande tristesse, mais cette tristesse va le conduire non pas à se repentir, mais plutôt à se donner la mort par pendaison. En revanche, Pierre, qui lui aussi va renier Jésus, ce qui est une forme de trahison en soi, trois fois avant que le coq ne chante, on va découvrir que Pierre, quelques temps plus tard, au jour de la Pentecôte, est un prédicateur qui n'a pas froid aux yeux, qui n'a peur de rien, et qui, avec toute l'assurance du monde, peut dire à ceux qui l'écoutent, ce Jésus que vous avez crucifié. Et donc, ce Pierre-là est totalement régénéré, totalement restauré, même s'il est passé par une phase de tristesse, parce que lui, il a pu... capitaliser ou du moins trouver dans la tristesse l'occasion de revenir à Dieu, l'occasion de rechercher Dieu, de demander pardon à Dieu. Et donc les chrétiens peuvent être tristes, mais il y a aussi parmi nous des chrétiens qui sont tristes, mais de la mauvaise tristesse, une tristesse qui conduit à la mort et que nous devons combattre avec la dernière énergie. D'accord. Le mot qui ressort le plus en vous entendant, c'est la tristesse. Mais quelle est la réelle définition, la définition que vous pourrez apporter au terme dépression ? D'un point de vue biblique, peut-être. Alors, lorsqu'on parle de dépression, il s'agit principalement d'un désordre émotionnel. La dépression attaque les émotions. Nous avons tous, autant que nous sommes, nous avons la possibilité d'éprouver un certain nombre d'émotions, la joie, la paix, l'amour, la sérénité, l'accomplissement de soi. Ce sont des émotions qui sont positives, mais il y a aussi des émotions négatives, comme... le chagrin, comme la crainte, la peur, la tristesse, le mépris, le dégoût. Et la dépression vient causer un désordre émotionnel qui fait que ces émotions qui pouvaient être passagères deviennent permanentes dans la vie de quelqu'un parce qu'on est passé par une phase difficile de la vie, on n'arrive plus à trouver goût aux choses qui avant nous faisaient plaisir. Une personne qui appréciait manger certains aliments ne trouve plus goût à la nourriture parce qu'elle est dans une phase de dépression. Et la Bible abonde justement de descriptions, de formes d'émotions, de types d'émotions que les hommes sont emmenés à expérimenter. Et c'est par le désordre émotionnel, je crois, qu'on peut assez bien, bibliquement parlant, expliquer ce qu'est la dépression. D'accord, alors. J'ai une question qui me vient à l'esprit. Vous me parlez de désordre émotionnel. Oui. On sait que le chrétien est le temple de Dieu, le Dieu qui est un Dieu d'ordre. Comment peut-il se faire qu'un chrétien, qui est le temple de Dieu, un Dieu ordonné, peut souffrir d'un désordre émotionnel ? C'est une bonne question et qui me permet d'expliquer ce qui se passe lorsque nous devenons chrétiens, parce que nous ne naissons pas chrétiens. Nous sommes nés, quelles que soient les familles d'où nous venons, nous avons tout un parcours et à un moment donné de notre existence, on nous a parlé de Jésus-Christ, nous l'acceptons dans notre vie comme Seigneur et Sauveur personnel, et nous sommes sauvés. Pour plusieurs, il y a encore une incompréhension, une forme de confusion qui demeure au sujet de ce qui se passe lorsque nous acceptons Jésus. Certaines personnes croient que, puisque Jésus a dit sur la croix, tout est accompli, lorsqu'on accepte Jésus-Christ, tout est complètement renouvelé à l'intérieur de nous, et la vérité, c'est que c'est inexact. Concrètement, qu'est-ce qui se passe ? Lorsqu'on accepte Jésus dans notre vie comme Seigneur et Sauveur, c'est notre esprit qui est totalement régénéré. Nous naissons de nouveau, mais nous naissons en esprit. C'est ce que Jésus-Christ a dit d'ailleurs à Nicodème. Il a dit, Nicodème, il faut que tu naisses de nouveau. Et Nicodème a compris les choses de façon naturelle et a posé la question immédiatement, mais est-ce que cela signifie que je dois de nouveau repartir dans le ventre de ma mère et que je dois naître à nouveau ? Et Jésus lui a dit non. C'est de l'esprit qu'il faut naître de nouveau. En fait, cette nouvelle naissance est une naissance spirituelle. Donc, lorsque quelqu'un accepte Jésus, son esprit est totalement renouvelé. C'est de là qu'on parle des choses anciennes qui sont passées, de toutes choses qui deviennent nouvelles. En revanche, son âme n'est pas totalement régénérée, elle est en cours de régénération. Donc, la vie chrétienne, c'est un parcours, c'est une aventure qui nous permet, étape par étape, effort après effort, mise en pratique de la parole de Dieu après mise en pratique de sa parole, qui nous permet de voir notre âme passer d'une âme charnelle qui a des désirs et des passions de la chair à une âme qui s'intéresse de plus en plus aux choses de Dieu et qui souhaite manifester davantage le caractère de Christ.
C'est donc ce qui se passe pour ce qui concerne notre âme. Et puis, notre corps, lorsque nous acceptons Jésus-Christ, n'est pas régénéré, clairement. Il ne le sera que lorsque Jésus sera revenu, il apparaîtra dans les nuées et que nous serons enlevés vers lui. À ce moment, nous revêtirons l'incorruptibilité. C'est pour cette raison qu'on peut être chrétien, être le temple du Saint-Esprit, mais quand même tomber malade. Et on peut tomber malade physiquement, donc être atteint dans notre corps, mais on peut aussi avoir des maladies de l'âme, et la dépression, c'est une maladie de l'âme. Et donc, on peut être un bon chrétien, être zélé, servir à l'Église, mais parce qu'au niveau de notre âme, il y a des choses qui n'ont pas été correctement restaurées ou correctement traitées, on peut être emmené à expérimenter ou à souffrir ce genre de choses. Ça n'enlève rien à notre spiritualité. On n'est pas un mauvais chrétien parce qu'on est tombé malade. On n'est pas un mauvais chrétien parce qu'on a eu la grippe. On n'est pas un mauvais chrétien non plus parce qu'on est passé par une phase de dépression. Il faut que les gens le comprennent. C'est bien de le préciser. Et justement, le fait que vous parliez d'âme me fait penser à une prédication de vous, justement, okay. que j'ai entendu il n'y a pas longtemps, qui disait que sur la dimension tripartite de l'homme, le corps pouvait changer, l'esprit également, mais que l'âme était l'un des domaines de l'homme qui changeait difficilement. Alors, si la dépression attaque principalement l'âme, est-ce que cela traduit donc que la personne qui souffre de dépression est condamnée à ne pas changer ou guérira au bout de plusieurs années ou plusieurs mois? Ça dépend. Effectivement, il y a des difficultés à changer le caractère de quelqu'un. Vous avez des gens dans votre entourage, certainement, qui ont des caractères assez compliqués. Et vous vous rendez compte que parfois, malgré leurs efforts, on dit chasser le naturel et il revient au galop. Mais on ne peut pas dire que c'est sans espoir. Au contraire, parce que la parole de Dieu est puissante et efficace. La grande difficulté à laquelle nous faisons face, et qui expliquait, qui justifiait d'ailleurs cette prédication de ma part, c'est la décision des individus. Vous ne pouvez pas forcer quelqu'un à changer. En revanche, si quelqu'un a la ferme volonté de suivre le processus qui lui permet d'évoluer, de passer par exemple d'une logique égoïste à une logique beaucoup plus généreuse, si c'est sa ferme décision et c'est sa volonté, la Bible dit à tes résolutions répondra le succès. Et donc, il y a de l'espoir pour l'âme, mais on doit accepter de se détourner de soi-même. Et c'est à ce moment-là aussi que je voudrais aborder cet aspect qui est propre à la dépression. La dépression a un langage propre. C'est de parler toujours en disant « je ». Je me sens mal, je suis mal aimé, je suis rejeté, je ne vaux rien, je n'arriverai à rien. Elle vous focalise totalement sur vous en tant qu'individu. Et ce que nous faisons en tant que chrétiens et la logique dans laquelle nous devrions être est totalement à l'inverse de cela, parce que ça ne dépend pas finalement de qui nous sommes et de ce que nous faisons, mais ça dépend davantage de ce que Jésus-Christ a fait sur la croix du calvaire et de qui nous sommes en Christ. C'est pourquoi l'apôtre Paul peut dire « ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi ». Alors, si le vieil homme que je suis a du mal à changer dans son âme, je rends gloire à Dieu parce que ce vieil homme-là, lorsque j'ai accepté Christ, que j'ai été baptisé, est mort et enterré. Et désormais, je peux vivre la vie nouvelle en Jésus-Christ. Et de cette manière, je vais avoir un langage complètement différent. Ce n'est pas ce que je suis, ce que je veux, mais c'est ce que Dieu a fait de moi, combien Dieu m'aime, combien il s'est sacrifié pour moi. Et penser comme cela permet à n'en point douter à quelqu'un qui serait dans une phase de dépression de réussir à se défocaliser de sa propre personne pour se focaliser sur l'œuvre rédemptrice de Christ. J'ai failli vous couper tout à l'heure, mais j'étais tellement suspendue à vos lèvres que je n'ai pas pu le faire. Okay. Mais, et si on en parlait, c'est fini pour aujourd'hui. Si vous voulez retrouver la suite des questions que nous avons à poser au pasteur Gélil, je vous dis de rester câblé et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro de « Et si on en parlait ?» Alors, restez câblé et à la semaine prochaine.